Donc, vous avez aimé la matinée jusqu'à présent? Oui, excellent. Alors, on peut applaudir peut-être toutes les jeunes qui se sont impliquées. Merci à tous. Comme je le mentionnais, merci à tous d'avoir permis que ce soit possible ce matin. Et aussi, merci de nous avoir présenté votre beau voyage. On vous encourage. On avait ramasser des fonds en tant qu'Église pour pouvoir leur permettre de faire cette expérience-là, ce voyage-là. Donc, merci de venir nous partager ce que vous avez vécu, puis on vous encourage à continuer. Donc, est-ce que le PowerPoint en arrière, c'était correct? Non. Dans le fond, on est en train de parler des proverbes avec la jeunesse, puis... des proverbes, et ça, je me suis dit, j'avais profité de l'occasion pour pouvoir réutiliser ça, puis d'en reparler ce matin. On va le mettre au début. Là, vous avez toutes mes punches, là. avec des proverbes, on en connaît toutes. On a « après la pluie » ou « la neige » dans certains cas. Où l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, parce que dans une famille nombreuse, ils ont de l'eau chaude encore. Mais proverbe, comme, je me détends un petit peu là. Comme proverbe, comme son nom l'indique bien, bien ça fait partie des livres qui sont poétiques, avec Psaume, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques et le livre de Job. Puis, il est rempli d'images pour la vie. On y voit, dans le fond, des parents au travers du livre qui s'adressent à leur enfant pour le conseiller puis le diriger dans sa vie. Donc, un petit aperçu, dans l'Ancien Testament, le mot utilisé pour sagesse décrivait souvent quelque chose qui pour décrire une habileté, quelqu'un qui était habile à faire quelque chose, comme un artisan qui travaillait le bois ou bien qui travaillait la pierre, qui sculptait, il était habile, puis il était sage dans son art, on pourrait dire. Il avait une habileté. Donc, on pourrait un peu voir la sagesse présentée dans ces livres-là comme l'habileté à un peu façonner aussi notre vie, notre chemin qui est devant nous, à faire les bons choix, puis à vivre une vie dans la crainte de l'Éternel, qui est justement le fondement du livre. Tout commence par la crainte de l'Éternel, tout commence par le cœur. Si dans mon cœur, les choses, ils sont pas. Je peux pas juste faire les choses, je peux pas juste travailler ma vie, travailler le bois, travailler la pierre. Si mon cœur n'est pas entier, ce que je fais, ça n'a pas de sens. Puis ça s'enracine avec une confiance en lui. Un peu comme, dans le fond, c'est par la sagesse, on voit aussi dans le livre que Dieu a créé le monde. Donc, à notre tour, on a cette occasion-là de pouvoir utiliser la sagesse, puis de faire des choix comme de sagesse pour façonner aussi notre vie. Mais contrairement aux Français, les proverbes, c'est pas juste des dictons que tout le monde accepte puis que tout le monde prend pour acquis comme justement la pluie et le beau temps. C'est pas un ramassis de belles morales qui sont là pour faire cute, pour parler de comment que la vie est belle ou ci ou ça, mais c'est des révélations qui sont faites par Dieu. C'est facile des fois d'oublier, se trouve dans la révélation de Dieu, puis que, dans le fond, le sage accepte puis reçoit, même s'il ne comprend pas toujours ces affirmations-là. Puis, la sagesse, c'est ça, comme je disais, est associée au cœur, est associée à la conscience aussi, ailleurs dans l'Ancien Testament. Et donc, si je ne suis pas ancré dans la réalité que la sagesse reflète, que la réalité que Dieu reflète au travers de ces livres-là, ben je peux pas être sage parce que c'est pas quelque chose qui peut se forcer. Dans le fond, je peux pas juste être à moitié non plus. Il faut que ce soit de tout du cheveu jusqu'au petit orteil. C'est tout mon être qui doit chercher dans le fond la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que ça dit que ça commence par la crainte de l'Éternel. Mais des fois, on est confronté justement à faire des choix. Mais en fait, on est toujours confronté à faire des choix aussi. mais
puis on se retrouve devant des choix qui ne sont pas nécessairement de choisir entre ce qui est moral puis entre ce qui est immoral. C'est clair, ça. On veut pas faire des choses qui sont immorales. Mais c'est de savoir avec toutes ces options, tous ces choix-là que j'ai à faire dans la vie, lesquels qui sont sages. C'est quelle direction, quel choix que je vais prendre qui est sage. Puis en ayant cette sagesse-là que Dieu donne, ben ça permet de le suivre quand que justement les lois, où est-ce que les lois n'adressent pas les sujets. Où est-ce que les lois morales, ils parlent pas de tout. Mais vu que mon cœur, il cherche Dieu, vu que mon cœur, il veut la sagesse, mais je vais faire en sorte que je d'obéir plus qu'à des principes. Donc, mais ce matin, particulièrement, je voulais juste parler un petit peu de pourquoi que le livre du Proverbe est là, puis placé, mais de parler de l'amitié au travers des Proverbes, qui est un sujet qui nous concerne tous, peu importe notre âge, on a des amis, et ça, il n'y a pas d'âge pour ça, mais d'avoir un ami qui nous comprend, qui nous connaisse, des fois même peut-être mieux que nous-mêmes, mais quelqu'un qui, avec qui on peut avoir une affinité, puis de vivre quelque chose de spécial. Puis là, juste un petit peu pour me détendre, inquiétez-vous pas, le printemps est à nos portes, le deuxième hiver, il vient de passer. Ça, les fans, ils vont se reconnaître ici, là, une scène du Seigneur des Anneaux. j'ai vu ça, puis je trouvais ça bien à point. Et pour une autre génération, Tintin à la recherche du printemps. Mais là, la semaine, là, ça en vient bien. Là, vous allez voir, il annonce des belles températures. Puis, maintenant, ça, c'est des beaux proverbes. Donc, amis pour la vie. Donc, on va voir plusieurs proverbes au travers ce matin. Je vais vous lire ça. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Chanter des chansons à un homme malheureux, c'est comme enlever son manteau par un jour de froid, mettre du vinaigre sur une plaie. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est l'homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié tenue cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami est le fruit d'un conseil qui vient du cœur. Si l'on bénit son prochain à haute voix, et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. L'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. Il y avait d'aller plus loin, juste qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci parce qu'on peut être tout le monde ensemble ce matin. Merci parce que tu nous réunis, comme justement on l'a souligné, si on est réunis, c'est à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ton sang versé puis ton corps meurtri. Merci d'avoir donné ta vie pour me permettre de l'avoir, moi. Puis, Seigneur, je ne veux pas m'enfarger. En fait, c'est sûr que je vais m'enfarger ce matin. Mais Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es un Dieu qui est fidèle en tout point. Puis que même si je pouvais le mieux décrire ta parole ce matin, ce que je veux, Seigneur, c'est pas exposer ta parole. Ce que je veux, c'est qu'elle traverse mon cœur. Que ton esprit nous remplisse, qui nous ravifie ce matin, qui nous donne la force dont on a besoin, puis qui est en toi. Donc, merci de ce qu'on peut ouvrir ta parole librement ce matin. Amen. Personnellement aussi, je voulais,
Ben, j'avais à cœur de parler de ça parce que j'ai eu souvent besoin de déménager dans les dernières années. Puis, ça m'a affecté. J'ai réalisé que c'était difficile de devoir passer de Montréal à Sherbrooke, me faire commencer une autre vie, rencontrer d'autres gens, de passer de Sherbrooke à Trois-Rivières avec plein de toutes ces belles personnes-là. Mais de recommencer, de comme, OK, là, on rencontrait des gens, puis s'installer, puis avec une nouvelle ville, une nouvelle vie. Puis c'était, des fois, c'est ça, c'était les séparations. Je les vis plus difficilement, des fois, de devoir, tu sais, les amitiés, c'est pas la distance qui change quelque chose, mais c'est ça, le fait d'être moins proche des gens, ça m'affecte, ça m'a affecté. Puis, mais Proverbe, il nous dit que si on n'est pas habile à choisir, à garder, à forger des amitiés qui sont solides, bien, qu'on ne peut pas arriver dans la vie. On ne peut pas arriver dans la vie si on n'est pas habile à choisir avec qui qu'on s'entoure. Parce qu'au travers, justement, les différents versets qu'on a lus, qu'on va revoir aussi, on voit comment que l'amitié, c'est quelque chose qui est unique, comme rien d'autre. Deuxièmement, comment que l'amitié est découverte. Troisièmement, comment que l'amitié est forgée. Puis quatrièmement, c'est quoi la source de l'amitié? Puis là, il y en a qui me trouvaient qu'Étienne, tu parles d'amitié, hein, tu sais, de les deux doigts de la main. Bref, on est qu'Étienne ce matin. Comment tu dis? Ben oui, aussi, je voulais... Ouais, un merci à tous ceux qui m'ont encouragé pour ce matin, qui m'ont écrit un petit mot, puis ça a fait son bout de chemin. Donc, premièrement, unique, l'amitié. Pourquoi? Il y a des amis qui mènent au malheur et un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est qu'un ami, ça peut être meilleur que de la famille. Ça peut être plus loyal qu'un frère. Mais pourquoi qu'une personne qui vit dans une société dans ce temps-là, qui était énormément plus orientée sur la famille que la nôtre, qui est très individuelle, dirait une affirmation comme ça? Bien, parce que ta famille, c'est ta famille. Ta famille est là pour toi. Il y a une loyauté naturelle qui est là. Généralement, quand que des fois les familles, il y a des chicanes, on s'entend, on souhaite pas ça. Mais la famille est là pour toi parce que c'est ta famille. Vous avez le même nom, vous avez des souvenirs ensemble, des partager des liens. Mais un ami, c'est une personne qui t'a choisi volontairement, à défaut de tout. Il t'a juste choisi. Puis, Proverbe, dans le fond, affirme que l'amitié va apporter quelque chose que la famille, la romance, absolument rien au monde ne va pouvoir remplacer. Parce que la culture, bien, on s'entend que c'est plus, dans la culture, c'est plus vendeur de mettre en avant l'amour romantique ou l'amour ou la sexualité. C'est pas mal plus vendeur. Est-ce que vous avez déjà vu un magazine, tu sais, quand on fait la file d'épicerie, puis tout le temps des magazines qui sont là, puis là, tu sais, comme... Il y en a qui... OK, non, excusez. Puis là, tu cover, tu sais, première page, Brad Pitt, puis son nouveau meilleur ami. Avez-vous déjà vu ça? En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Ou bien, tu sais, la nouvelle confidente de Scarlett Johansson. T'sais. Non, ils vont dire quels mariages sont brisés, quels mariages qui sont, combien ça fait combien de fois qu'ils sont mariés, avec qui ont des aventures, avec qui ça, ils sont trouvés drogués, ils sont trouvés, tout pour faire des potins. La musique, les livres, les films. Y en a-tu qui est capable de donner un titre de chanson qui passe à la radio qui parle d'amitié? Qui passe à la radio? Mais justement, hier, j'étais à Victoriaville avec ma mère. Je l'ai invité pour voir un spectacle ensemble. Puis, les chansons, c'était pas juste sur la romance, mais tu vois, c'est quelque chose qui est très, 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 très présent par rapport au vécu. Tu sais, c'est quelque chose qui va beaucoup englober les arts, comme justement dans une culture qui peut être libérale, culturelle aussi. On va mettre un accent, pas sur l'amitié, mais on va mettre un accent sur la romance, les arts,
la sexualité. Dans une société qui va être conservatrice, plus traditionnelle, bien, l'emphase est beaucoup sur la famille. T'sais, c'est très important la famille, c'est la valeur qu'il faut garder. Et dans une autre peut-être culture qui est plus socialiste, bien, l'accent est mis sur les relations civiques entre voisins, les quartiers, l'importance de la vie communautaire. Puis ce sont pas des choses qui sont mal, mais c'est le fait que c'est pas l'amitié qui va être promue avant tout. Et puis aussi, on est dans une société qui est performante, on ne se le cachera pas. Moi, c'est un gros défi de me détacher de la performance. Puis ça devient que tu viens à mettre quasiment une performance aussi dans tes relations. Il faut que je fasse ci ou ça envers ces personnes-là. Ou bien, on n'aime pas ça non plus avoir des dettes envers des gens, comme je t'invite à souper, mais la prochaine fois, c'est moi. Tu vas voir, tu sais, je veux pas trop avoir une dette envers toi. Là. Mais le problème, c'est que quand on voit les relations, les amitiés, comme quand on voit ça, un effort, c'est là qu'il y a comme quelque chose qui cloche. De toute façon, pas marié, mais je pense qu'un époux ou une épouse, c'est en masse de travail déjà. On ne voit pas des amis en plus. OK. Mais l'affaire, c'est que l'amitié, c'est la seule relation qui n'est pas une nécessité biologique ou sociale. C'est C.S. Lewis qui disait ça. L'être humain n'a pas besoin d'amis pour sa survie, dans le sens pour la survie de l'humanité. Ce n'est pas une nécessité d'être un ami. Il faut un homme et une femme, ou même une nécessité sociale. Je veux dire, des fois, on reste dans un cercle fermé, mais l'humain survit sans amis. Mais l'amitié, c'est le seul amour qui est intentionnel, qui est décidé en tout point. C'est pour ça que l'amitié, c'est quelque chose qui est unique, parce que c'est un amour qui est choisi volontairement, qui est intentionnel. Puis, un prédicateur, j'aime bien, Tim Keller, il disait « L'insensé périt, faute d'amis, ou faute de les avoir pauvrement choisis. » Donc, l'amitié est unique, parce que c'est le seul amour qui est intentionnel. Et puis, deuxièmement, découvrir l'amitié. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Et la douceur d'un ami est le fruit d'un conseil qui vient du cœur. Qui n'aime pas le sucre ici dans la salle? On a une personne qui s'assume. Mais tu serais capable d'en manger, pareil. Tu le tolères. Là. Ici, douceur. Douceur, c'est le même adjectif qui serait décrit pour parler de quelque chose qui est sucré. Quelque chose qui est doux à la bouche, comme dans le fond, on parle de miel, mettons. C'est le miel est doux sur les lèvres. Donc, comme il décrit l'amitié comme du miel. Mais ce qu'il faut se rappeler, bien, c'est que, en fait, je m'étais dit, ah, ça serait le fun de préparer peut-être un petit dessert à mettre en avant puis demander, tu sais. Ça aurait été sûrement difficile de trouver des volontaires, hein. Tout le monde veut ça se bourrer dans le sucre, puis. C'est toujours bon, on apprécie. Moi, premièrement, c'est pour ça que j'ai fait une formation là-dedans. J'aime ça manger. Mais quand le livre a été écrit, le sucre, là, il n'était pas disponible dans ton garde-manger. Tu n'avais pas du sucre blanc que tu mettais dans ton café et que tu brassais là, chaque matin. Le monde ne savait pas comment sucrer la nourriture. Il y avait des recettes de gâteaux, mais c'est pas tout le monde qui avait accès au miel. Je veux dire, tu le trouvais dans une ruche ou à tes risques et périls. Là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, le sucre, il se trouvait seulement à l'état naturel, dans les fruits, dans les aliments. Mais là, aujourd'hui, il est raffiné. On peut mettre du sucre partout ce qu'on veut. Puis les industries savent comment que on aime ça. Mais dans le fond, c'est que l'image, elle nous pointe, l'image du miel, c'est qu'elle nous pointe que l'amitié, là, l'important, c'est que l'amitié doit être découverte. Comme que je tomberais en marchant sur une ruche avec des abeilles, avec du miel. C'est que je peux pas, l'amitié, elle peut pas être créée, mais elle doit être découverte. Puis, un vrai ami est rare.
des personnes pour qui on sentirait que vous sentiriez à l'aise d'appeler à n'importe quelle heure de la nuit. Moi, je les compte sur une main, peut-être même moins d'une main. Mais dans le livre, peut-être que vous avez lu « Les quatre amours » de C.S. Lewis, qui parle de l'amitié là-dedans, qui dit « L'amitié naît au moment où un homme dit à un autre « Quoi? Toi aussi? Je pensais que j'étais le seul. » Dans le fond, tu sais, le sentiment quand tu rencontres quelqu'un puis tu fais comme « OK, il y a quelque chose qui se passe, là, on aime les mêmes affaires, on parle des mêmes affaires, il y a comme une chimie naturelle. » Excusez, j'ai une bulle dans la tête. Mais c'est pour ça qu'une personne qui court après l'amitié, qui veut la créer, ben, elle se plante. Ça ne peut pas marcher. Parce que ça ne réussit pas, en fait, de vouloir se chercher des amis. Parce que la seule condition pour se faire des amis, c'est de ne pas en chercher. C'est de tomber dessus, tu sais, comme le miel. Mais, tu sais, remarquez, si je vous demande, mettons, est-ce que vous voyez la même, mettons, en général, voyez-vous la même chose que moi? Est-ce qu'on voit la même vérité sur certains points? Est-ce qu'on a une passion commune? On a-tu quelque chose qui nous rassemble? Puis là, que, mettons, quelqu'un vous répond, ben, je m'en fous de ta passion, là, tout ce que je veux, c'est être ton ami. Tu n'iras pas loin. Parce que il n'y aura rien pour unifier l'amitié, il n'y aura rien pour rassembler. Parce que, je veux dire, il y aura ceux qui n'ont rien à partager ne peuvent pas partager quelque chose. Si dans le fond, si l'amitié est impossible, si c'est dans ce cas-là, l'amitié, elle naît au moment où quelqu'un dit. Un homme dit à un autre, « Quoi? Toi aussi? » Je pensais que j'étais le seul à aimer Taylor Swift, à aimer... Puis là, mais ceux qui vont nulle part ne peuvent pas partager leur route avec d'autres. Ça va être des gens qui vont t'empêcher d'avancer parce qu'ils sont pognés à la même place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas côtoyer ces gens-là, mais ça veut juste dire que ce n'est pas une amitié encore, peut-être. Ça va être de prendre peut-être du temps avec la personne pour l'aider à débloquer. Mais si je m'appuie sur cette personne-là, je n'avancerai pas. Parce que l'amitié demande une fondation, une affinité, une vision et un amour commun. Qui peuvent pas être créées, mais qui doivent être découvertes. Mais l'amitié n'a pas juste besoin d'être découverte. Il faut aussi qu'elle soit forgée. Mais elle ne peut pas juste être forgée. Il faut aussi qu'elle soit découverte. Mais même là, découvrir la fondation, c'est ça, découvrir la fondation ne suffit pas. On doit construire par-dessus. C'est un autre troisième point. Que le livre des Proverbes, il démontre quatre choses pour créer une vraie amitié. On pourrait dire un peu quatre blocs de construction. C'est simple, tu sais, c'est comme mettre quatre Legos ensemble. Tu sais. Ça se fait bien, là. Puis, ou sinon, vous pouvez avoir ce livre-là gratuitement. Comment se faire des amis pour les nuls. Excusez. Mais non, ça, c'est les quatre blocs. Fidélité, un amour sensible, de la franchise et être avisé. Là, si vous remarquez, j'essaie de faire en sorte que, ben, d'avoir deux F, deux A pour que ça fasse fa-fa. Mais pas dans le sens pour dire que c'est facile, là, c'est pas ça le point là, à retenir. Dans le sens pour un rappel, OK, c'est peut-être pas si facile fa-fa que ça. Mais premièrement, la fidélité. On pourrait dire aussi de la constance. Puis évidemment, toutes ces quatre choses-là, ils trouvent leur source dans l'amour. T'sais, il y a un des points qui était l'amour, mais l'amour est fidèle, l'amour est franc aussi. C'est,
C'est juste des petits détails de plus. Mais l'ami aime, donc fidélité, l'ami aime en tout temps. Puis dans le malheur, il se montre un frère. Pas tout le temps, nécessairement, mais c'est que ça veut dire dans toutes sortes de temps. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, l'ami aime en tout temps. Parce qu'un ami ne va pas te laisser aller à la ruine. Puis c'est ça, un petit peu une distinction à faire, parce que c'est triste à dire, mais les gens veulent souvent, peut-être, ils veulent des fois être ton ami parce que tu es utile pour eux. Peut-être que tu as les meilleures notes à l'école, fait que tout le temps, quand c'est le temps de faire des travaux d'équipe, ben c'est qui veut, tu sais, là, tout le monde va être avec toi tout d'un coup. Ou ben t'es connecté avec le cercle, avec un cercle d'amis qui est justement que le monde, ils veulent être autour, ils sont plus populaires, fait que là, le monde, ils veulent, ben si je connais cette personne-là, va m'amener à connaître ce cercle-là. Ou même, des fois, peut-être dans un mariage, peut-être que tu es utile pour moi parce que tu es célibataire, tu sais, entre guillemets, là, c'est pas aussi cru que ça, là, mais tu sais, j'ai personne dans ma vie, t'es libre, 1 plus 1 égale 2, tu sais. Mais, ou peut-être pour aller chercher une promotion au travail. Mais dans la vraie vie, si on n'était pas collègues, tu sais, t'es utile pour que je puisse aller chercher cette promotion-là. Ou peut-être juste pour répondre, t'es utile parce que elle peut être utile pour. Vous pouvez être utile parce que ben, vous répondez à la besoin de la personne. Puis avant de faire le saut, ben, je pense qu'on fait tout aussi pareillement la même chose. C'est sûr qu'on n'aime pas se le faire, mais je pense que sans s'en rendre compte aussi, on fait pareillement. D'avoir justement des camarades, des compagnons qui sont utiles pour avoir du bon temps, pour connaître d'autres personnes ou ben, pour accomplir quelque chose qui doit être fait. Mais les gens qui te connaissent juste pour ton utilité, ils ne seront pas là lorsque tu vas être dans une tempête, que tu vas t'effondrer, commencer à t'effondrer, puis tu vas demander beaucoup, beaucoup d'amour, de temps, d'engagement. Quand que tu vas être à bout de tout, là, le compagnon, il va dire. Puis, tu sais, c'est pas une question de mal puis de bien ici. Il faut être clair aussi là-dessus. C'est une question de vraiment d'amitié. Puis, c'est pas. Vous allez voir justement, on peut pas être ami avec tout le monde. Des fois, ça serait le fun, mais je veux dire, même Jésus, il y avait 3 disciples qui étaient proches. Mais parce que c'est exigeant, justement. Mais pas exigeant, mais tu sais, ça. C'est de l'investissement, une amitié. Fait que c'est sûr, je ne peux pas avoir le même niveau d'intimité avec tout le monde. Mais, donc, pour revenir au compagnon, quand tu es à bout, le compagnon, il va dire, appelle-moi. Appelle-moi si je peux faire quelque chose. Si je peux t'aider. Je vais être là. Puis l'ami, la différence, c'est que l'ami, il va être déjà là. En train de te supporter, en train de t'offrir un appui. Parce que pour un ami, c'est impossible que je vais te laisser arriver au fond du baril. Je vais pas te laisser t'échouer, t'écrouler, peu importe ce que ça me coûte. Si j'ai besoin de manquer une journée au travail, j'aime mieux couler avec toi que de regarder en train de couler. Ça, moi, je reviens avec Le Seigneur des Anneaux, là, parce que c'est une des trilogies, tu sais, qui est rare qu'on voit, qui est l'amitié, justement, le thème central des films. Puis, dans le troisième film, on voit notre trio de Frodon, Sam, avec Gollum, la petite créature mesquine, qui cherche un petit peu à avoir l'anneau qui est précieux, l'anneau de pouvoir. Fait que là, il est en train de faire un complot pour mettre les deux amis à dos, Frodon puis Sam. Et là, ils sont en train d'en marche pour aller
faire leur accomplir leur mission là, pour aller au Mordor. Puis c'est comme tout est tendu là, tout est stressant, c'est leur vie est en jeu. Puis là, Gollum fait quelque chose qui fait en sorte que Frodon lui-même il dit à son meilleur ami là, c'était comme il était inséparable, il dit va-t'en là, je suis plus capable. T'es égoïste, t'es ci, t'es ça. Il a laissé les mensonges prendre le dessus. Puis là, il s'est retrouvé dans une situation qui était sur le bord de la mort. Il allait se faire, dans détail, il allait se faire manger. il était pour mourir. L'autre, il l'avait abandonné. Il l'amenait dans un piège. Mais là, on voit la scène que son ami Sam, il revient parce qu'il a vu que comme il y a quelque chose qui ne marchait pas. Puis là, mais il pouvait mourir avec lui, là, je veux dire, c'était. Mais pour lui, ça n'importait pas. Parce que s'il aimait mieux mourir à sa place que de le voir, de le laisser aller, justement, dans la gueule du loup. Une personne qui est fidèle envers toi, quand tu n'as rien à donner en retour, c'est ton ami. Un peu là aussi. Pourquoi qu'on trouve que c'est important de pouvoir se rencontrer en groupe vie, de pouvoir développer, de pouvoir favoriser un environnement où est-ce que comme ben je peux créer des amitiés, je peux créer quelque chose qui je peux compter sur quelqu'un chaque semaine, d'avoir des gens avec qui être. Et deuxièmement, un amour sensible, comme un furieux. Pourquoi est-ce que celui qui dit c'est n'était-ce pas pour plaisanter? C'est juste une joke là, tu capotes pas là, c'est juste une joke. Ou ben pour celui qui est en train de te bénir le matin à haute voix, pourquoi c'est une malédiction? Je veux dire, c'est le fun, merci de me bénir, tu sais. Mais c'est que en fait, il y a une coupure émotionnelle. Il n'y a aucune sensibilité ici dans ses propos. Parce que je ne connais pas réellement, je ne peux pas être ton ami, je ne peux pas te connaître réellement intimement si je ne me rends pas compte que ce que tu fais, ça me blesse. C'est que ce n'est pas juste une joke. Peut-être pour toi, ce n'est pas grave, mais ça m'a quand même blessé. Chanter des chansons à un homme malheureux, c'est comme enlever son manteau par un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Si je peux chanter joyeusement à un cœur qui est attristé, c'est comme il y a un autre. On parle pas de la même langue, là. Il y a une déconnexion ici, là. Si je peux être joyeux pendant que toi tu es triste, ben on n'est pas réellement amis. Je ne peux pas rester indifférent face à ce que tu vis si je suis ami. Puis c'est pourquoi qu'une personne qui n'a pas de sensibilité envers toi ne peut pas être son ami, ça ne fait juste aucun sens. Puis c'est ça une raison aussi pourquoi qu'on ne peut pas avoir trop d'amis, parce que sinon, je veux dire, ouais, je capoterais là, d'avoir une connexion émotionnelle avec tout le monde. Puis je veux dire, on veut être transparent, là, mais tu sais, vous savez là, comment que de s'exposer, de se mettre dans un sens à nu, pas de masque, pas rien, là, honnête envers toi, de tout le temps soutenir, de donner de l'amour. Mais une amitié ne peut pas exister sans une connexion émotionnelle avec l'autre. Parce qu'avec cette connexion-là, ben, je sais comment tu te sens. Donc, si je sais comment tu te sens, je me sers pas de toi seulement pour ton utilité, mais je suis entièrement consacré à ton bien-être. C'est seulement lorsqu'on cherche le bien des autres avant le sien que là on peut aimer, comme aussi il s'est vécu au travers d'un mariage, quand on cherche le bien de l'autre avant le sien. Donc c'est pour ça. L'amitié ne peut pas exister sans une connexion émotionnelle. Et troisièmement, la franchise. Dire la vérité. Mieux vaut une réprimande. Ah, je ne l'ai pas mis. OK. Laissez faire le verset qui est là.
écoutez-moi, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié tenue cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Dans le fond, une amitié cachée, là, on pourrait dire, une amitié qui est comme, c'est pas honnête. Dans le sens, je suis pas entièrement honnête envers toi, je cache des choses. C'est facile de dire comme, je t'aimais trop pour te dire ça, je voulais pas te blesser. Tu comptes trop pour moi, je pouvais pas te dire la vérité. Mais un peu, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que je m'aimais trop pour avoir à passer au travers de cette douleur-là, de devoir te confronter, de devoir se cogner, se frapper. Puis là, il y a un paradoxe ici. Là. Blessure d'un ami. Okay? Non, un ennemi, c'est pas censé me blesser. Puis baiser trompeur. Pourquoi c'est pas la blessure qui me trompe, puis l'ami qui me reçoit, qui m'accueille? On peut penser à Judas. Judas qui a trahi Jésus en embrassant ses pieds. Trahison avec des baisers. Mais si j'arrive pas à être franc envers toi, à te dire la vérité, mais je t'amène tout droit dans un piège parce que tu es comme déconnecté avec la réalité, tu es comme déconnecté avec toi-même, tu vois pas les choses qui marchent pas. Fait que là, tu fais juste continuer à avancer un pas à la fois. Puis là, tu te plantes, mais combien de... Je veux dire, un ami va pas justement te laisser te planter en étant indifférent. Mais si on n'arrive pas à être honnête avec les gens qui sont autour de nous, c'est normal que des fois on puisse peut-être sentir que les gens vont commencer à être aussi pas authentiques, pas honnêtes envers nous. Puis ça, c'est un gigantesque défi. D'avoir autant de sensibilité dans notre amour que de la franchise. D'être capable de dire la vérité que tellement connecté que je sais que tous les mots que je suis en train de prononcer qui vont te faire mal, ils vont te faire mal à moi aussi. Fait que si je prends la peine de te les dire, c'est que c'est important. Mais si tu comptais pas pour moi, je prendrais pas la peine de passer au travers de ce mal-là. Mais là, si je suis juste sensible envers une personne, je vais peut-être juste me taire. Mais si je suis juste franc envers une personne, j'aime pas vraiment la personne. Je suis juste en train de la cogner. Et dernier bloc, Minecraft, être avisé. L'huile et le parfum réjouissent le cœur et la douceur d'un ami est le fruit d'un conseil qui vient du cœur. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Une amitié, ça cogne. Il y a du frottement, comme avec le fer. C'est comme... Il y a de l'intimité, il y a des partages du cœur, il y a quelque chose qui est réel. Il y a de la transparence. Puis, pourquoi c'est important d'avoir, dans le fond, avisé dans le sens d'être conseillé, de te montrer un petit peu, de te montrer les choses? Dans les conseils, parce que c'est justement, on disait que c'est le fruit du cœur. Le conseil rassurant qui vient du cœur. Puis un conseil, c'est un conseil, il est toujours rassurant. Il peut être peut-être trop mou. Tu sais, comme le miel, tu essaies de le prendre dans tes mains, mais ça colle. Ça ne tient pas vraiment. Mais s'il est tout le temps trop challengeant, trop comme... OK, là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là. Comment, réveille-toi, là, wake up. Là. Mais s'il est toujours de même, il est toujours rigide, maintenant, le fer, j'ai beau l'aiguiser, mais si je le mouille pas un peu, il va casser. Là. Il y
y a peut-être une exploitation émotionnelle entre les personnes. Peut-être les deux, ils servent l'un de l'autre. C'est pourquoi que, juste s'il y a du va-et-vient dans le rassurant, puis d'être dans la franchise, qu'il va avoir de l'humilité, de la sagesse, de la balance. Puis, sans conseil avisé, tu ne pourras pas être la personne que tu as besoin d'être. Parce qu'on n'arrive pas à voir tout dans la vie. Mais c'est seulement à ce moment-là que quelqu'un qui prend la peine de te conseiller va vraiment vouloir faire, quelqu'un qui va vouloir faire sortir le meilleur de toi, dans le fond. Donc, en résumé, Fafa, je vous dirais une phrase. L'ami est toujours ouvert et te laisse jamais tomber. Toujours ouvert. Il y a de la transparence. Il y a de la franchise. Il y a des conseils. Il est avisé. Je suis capable de prendre les conseils que tu as à me donner, puis je suis capable d'en recevoir, puis je suis capable d'en donner aussi. Je suis ouvert. Et te laisse jamais tomber. La fidélité et l'amour. Là, la fondation, plus les blocs, plus du temps, ça fait un ami. Puis, je pourrais finir ici puis dire, allez, faites de même, je vous bénis. Mais, la réalité, c'est que j'arrive pas à faire ce que la Bible me demande. Je suis, de la tête aux pieds, je suis brisé. Et c'est pour ça que tout ça, c'est inutile sans le dernier point. La source de l'amitié. Oups. Vous avez le punch. Mais je pense, il y a un désir, je pense, qui est là de trouver l'ami. T'sais, pas l'ami parfait, parce qu'on sait qu'il n'y a personne de parfait, mais t'sais, l'ami qui te comprend, qui est là pour toi, puis que... qui a une connexion qui est là, c'est rare justement, c'est quelque chose qui est rare, qui est précieux. Puis des fois, nos amitiés sont enlevées avant même qu'on puisse les forger. On déménage, on change peut-être d'école, il faut recommencer à zéro, de travail, de ville. Peut-être que j'arrive d'un pays qui est vraiment loin, puis là je me retrouve tout seul ici de ma famille qui est là. Ma famille est à un océan plus loin. Puis là, j'ai comme le sentiment que je m'ennuie, tu sais. Toute ma vie qui était là-bas. Puis qu'on n'a pas tous les amis dont notre cœur a besoin. Mais il faut admettre que la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup d'amitié, c'est que j'arrive pas à être moi-même entièrement cet ami-là avec les autres autour de moi. Que j'arrive pas à donner tout ça, c'est trop hard. Parce que, je vous dis, aimer quelqu'un, c'est sûr que vous allez avoir mal. C'est sûr. Les gens vont vous décevoir, ils vont vous blesser, vous allez décevoir et vous allez aussi blesser. Fait que, comment qu'on fait pour justement plus être brisé? Voyons, c'est pas ça, il faut que je fasse, c'est ma page ici. C'est pour qui c'est facile de toujours être transparent puis toujours être connecté émotionnellement? Comment arriver à offrir ça? Mais moi, je me souviens de André qui nous a parlé de Jean 15. Ça avait un mois où je me souviens plus, là, mais de demeurer dans son amour. Dans ce chapitre-là, Jésus nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Quand je vois, puis après ça, il dit, mais voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis.
quand Jésus a dit ça, toute l'histoire du monde a pris son sens. Jésus dit, « Moi, je suis l'ami parfait que tu as besoin. » L'ami qui aime en tout temps, puis dans le malheur, il se montre un frère. Je suis celui dont les blessures, c'est celle d'un ami. Puis de voir comment que Jésus a perdu son amitié qu'il avait avec son Père, avec le Saint-Esprit, qu'il a perdu ça pour me permettre de l'avoir. La nuit, la trahison, Jésus, tous ses amis l'ont laissé tomber. Ils sont tous partis. Il y a un ami qui aime comme un frère qui ne nous laisse pas tomber. Si je sais que Jésus ne va jamais me laisser tomber, alors je sais que je peux être l'ami qui m'appelle à être. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je peux agir sans crainte d'être rejeté ou abandonné. Si je peux aimer les autres, parce que Jésus m'a aimé en premier. Puis c'est le point crucial. Que sans ça, tout le reste ne sert à rien. Et en Jésus, tout le monde est accueilli, tout le monde est uni dans leur diversité. Des fois, à l'Église, on est tous différents ici. Tout le monde est, chacun est unique. Puis des fois, tu te dis, pas qu'on a peur de se parler, des fois, malheureusement, peut-être, mais je veux dire, on est tous dans le même bâtiment, on est tous dans la même salle. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'ici à côté de vous en ce moment que vous connaissez même pas, tu sais. Mais là, on est tous ici rassemblés ce matin. On a toutes, en Jésus, une famille. Que j'ai peut-être rien en commun avec toi, mais t'es un frère puis t'es une sœur. Mais ce que je vous dirais, Dieu, n'oubliez pas, Dieu est au contrôle. Peut-être que vous voulez plus vous entourer, vous voulez aller vivre dans un chalet tout seul, hein, ben, à retraite, plus besoin de parler à personne. Puis là, hein, la vie est belle, je suis tout seul dans mes affaires avec mon livre. Mais je vous dis, si c'est les gens qui vous blessent trop, ben, essayez. Ne perdez pas espoir. Continuez d'essayer. Dieu est au contrôle. Il n'y a pas rien qui lui échappe des mains. Donc, réellement, c'est là la fin. Fondation, plus les blocs, plus du temps. Mais c'est Jésus qui fait la différence. Je vous laisse avec ça. S'il est une consolation parmi les agitations et les peines de la société humaine, c'est la foi sincère et l'affection réciproque de vrais et bons amis. On va prier ensemble. L'équipe de louanges.